Et voilà les amis, donc le tapis gris, vous avez vu sur les photos en fait, hein, on a un dessous qui est grippe, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là on a les poils un petit peu dans tous les sens, et c'est ça qui est bien en fait. On peut, vous savez, c'est les trucs où on bouge les poils dans un sens et puis ça fait tout doux et tout uni. C'est un truc un peu mesmerizing, quoi, tu vois, tu joues avec tes pieds, quoi, mais bon, c'est mal, il faut pas. du coup, super doux. Super doux, puis moelleux aussi en fait. Hein. Donc voilà, comme je le dis dans le commentaire, en descente de lit, ça va super bien, c'est chaud, c'est hyper agréable quoi. Voilà, donc ça prend pas énormément de place entre un lit et un mur, surtout si vous avez une grande pièce. On a une pièce un peu moyenne en fait. Hein. Je sais plus combien elle fait combien quoi? 12? Ouais, 12 à peu près, un truc comme ça. Voilà, sur du 12, ça va, quoi, avec un lit en 140 par 190, ça passe en latéral si le lit est poussé au max sur un mur de la pièce, donc ça passe nickel. Voilà, très beau tapis, je trouve, et puis le prix aussi est vraiment sympa, quoi. Voilà, vous voyez, donc on a du poil un peu foufou dessus, aussi du poil long, voilà, mais vraiment doux, vraiment, vraiment doux. Hein. On sent pas le, vous savez, le côté un peu rêche, synthétique, etc., on ne le sent pas du tout. On dirait même que c'est l'angora le truc, quoi. Voilà. Oui, du vrai angora, quoi. Voilà. C'est bien entendu du synthétique. Mais voilà. Gentil.